c'est une action qui est sponsorisée par la communauté d'agglomération, mais surtout qui met en valeur l'ensemble des associations du territoire qui peuvent faire du déchet une matière première. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, Novembre Vert, ça fait partie d'un schéma global, en fait, déjà. Ce qu'on appelle le projet de territoire, c'est quelque chose qui a été fait avec les maires de toutes les communes de la communauté d'agglomération. Un projet de territoire, on se donne des objectifs, on se dit, voilà, il faut faire quelque chose pour notre territoire et quelles sont les obligations, les priorités. Et un des axes, c'est de favoriser les filières de réemploi et de recyclage. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire sur l'ensemble du territoire, avec ce projet de territoire, c'est de faire du réemploi, de faire de la réparation et de faire du recyclage en animant un réseau d'acteurs. Et dans le contrat d'objectif territorial, ce qu'on a de 2023-2026, il y a trois axes là-dessus, c'est l'énergie, l'agriculture et l'économie circulaire. L'énergie, tout le monde a vu en quoi ça consistait, puisque effectivement, quand les prix d'énergie sont très forts, il faut récupérer du photovoltaïque, il faut faire développer des choses comme ça. L'agriculture, il faut faire en sorte que les gens du territoire, les producteurs, puissent avoir des marchés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de novembre, justement, il va y avoir un marché solidaire et il va y avoir un événement là-dessus. Et l'économie circulaire, c'est simplement éviter le déchet. À partir du moment où vous jetez, ça devient un déchet. À partir du moment où vous échangez, vous donnez, ce n'est plus un déchet, c'est une matière première, c'est un cadeau pour les autres. Voilà. Et donc c'est ce à quoi ça sert, Novembre Vert. Novembre Vert, c'est mettre ensemble un réseau d'acteurs, connaître ces acteurs-là pour faire en sorte qu'ils se connaissent, qu'ils puissent travailler ensemble et surtout qu'ils puissent faire quelque chose auprès du public et que le public puisse le connaître. On essaie de faire en sorte que chaque jour du mois de novembre, il y ait une activité pas loin de chez vous. Et quand je dis pas loin de chez vous, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de communes, voire plus d'une dizaine de communes, qui sont dans cette action. Et notamment Soubise, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Les plus grosses actions, et c'est pour ça que nous sommes à Soubise devant la salle culturelle. Pendant plus d'une semaine, il y a déjà le 17 numérique. Il y a le 17 numérique tour avec la Massif. Ce 17 numérique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a près de 700 à 800 élèves en scolarité qui vont venir et qui vont découvrir tous les dangers du numérique. Quels sont les... Il y a des ateliers qui leur montreront qu'il faut faire attention dans la gestion des données, comment est-ce qu'on... Lorsqu'on met sur le site internet une photo à soi, comment est-ce que c'est traduit sur l'ensemble des réseaux sociaux, etc. Donc, il y a toute cette alerte sur le numérique. Donc ça, c'est pendant toute une semaine. Et la semaine d'après, il y a ce qu'on appelle la journée de la gratuité, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont pouvoir donner du matériel ici, sur Soubise, et les gens vont pouvoir récupérer ce matériel, soit des jeux, soit du textile, soit des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une zone de gratuité, c'est-à-dire qu'en fait, on évite de jeter les fringues notamment, on évite de jeter et on fait en sorte que les gens puissent en récupérer. L'année dernière, ici à Soubise, plus de 2000 personnes sont venues et 4 tonnes de matériel sont parties. Quand je dis matériel, c'est à la fois des livres, des jeux, etc. Donc 4 tonnes ont évité la benne, la déchetterie. Et ça, c'est le plus important. Novembre Vert, c'est le mois de l'économie circulaire. Ça commence le 2, ça finit le 30 novembre. C'est un peu partout dans toute la communauté d'agglomération. Ce sont diverses choses. Vous avez des Repair Café, vous avez des tas de choses à faire. Il y a des choses juste à côté de chez vous. Il est fort probable que vous soyez intéressé par ça. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la communauté d'agglomération pour télécharger le fascicule des différents ateliers.